garçon? Ah, on pourrait prendre le comportement du garçon vaste qui, dans la rue, te regarde et te dit hey, « Hé, mademoiselle, mademoiselle, vous êtes bonne !» Et là, tu sais que tu peux pas te retourner, le mec, il est déjà avec quatre de ses potes, il te manque déjà presque en disant que t'es bonne. Encore à la rigueur, il viendrait te voir, il t'inviterait, te dirait « Mademoiselle, vous êtes charmante, on peut aller boire un café ?» Ça passerait crème, t'es bonne. Sérieusement, hé, on vit au XXIe siècle, faut arrêter, là. Vous, les premiers temps, vous charmez une demoiselle, vous lui envoyez plein de textos, vous la courtisez, vous l'appelez, elle vous répond, elle est contente comme tout. Mais par contre, une fois que vous l'avez niquée, vous n'êtes plus là. Hein. Concrètement, faut dire les choses, les mecs. Et moi, pour tout ça, qu'est-ce que je suis? C'est sympa cet après-midi, hein? Ouais, j'ai adoré. Franchement, ça va faire. Ouais. Bah justement, faut en parlant de la refaire, ben, tu sais, je me suis dit que ça fait longtemps que toi et moi on se connaît, et c'est peut-être que... Ouais, je suis désolée. Sur toi? Non, écoute, t'as plein de qualités, hein, je t'assure. Ah ouais? Comme quoi? Ben, t'as du charme. Charme? Écoute, c'est pas que t'es pas mon style du tout, non. Non, c'est t'inquiète, que... t'inquiète. C'est bon, je comprends. Je suis désolée. Bienvenue, ça va? Ouais, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que tu bruit avec toute ta caisse, là? Ouais, bah ouais, mais vas-y, je sais pas, je suis fatigué. Non, 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 pas assez pour faire des courses. Allez, vas-y. Oh, bienvenue, j'oublie pas de PQ, s'il te plaît! Du PQ, mais tu sais quoi, ton PQ, toi, j'en ai acheté il y a 2 jours, frère. Chef, chef, vraiment urgent, urgent, regardez vos mains s'il vous plaît. On a retrouvé un cas de NF de 3ème degré. Excusez-moi, ça veut dire quoi NF déjà? Je... Dis frère. Neurofragile. Ah, oh, d'accord, ok. Non, là c'est bon, j'enregistre. Neurofragile. Je viens de regarder ton cas. C'est vraiment pas bon. Vraiment, c'est catastrophique. Dis frère. Ce cas-là sera à ta charge, d'accord? C'est à toi que je convie. Comment? Tu ne discutes pas mes ordres, ok? Je te demande de le faire, tu fais, on pense et tout. D'accord? C'est moi le boss ici. Ah oui, Jeffrey, n'oublie pas, ramène-nous des glaçons. Ça te fait rire, toi? Bonjour, je m'appelle Carton. Bienvenue au sein de la BDT. Bonjour,
Eh, besoin du papier toilette parce que... T'inquiète pas, je vais être très rapide, je vais t'expliquer ça rapidement, d'accord? Okay. Écoute, dans le monde actuel, de plus en plus de femmes sont confrontées à un monde hostile, ok? Bonjour et bienvenue au sein de la BBT. Oh les mecs, regardez-moi ça, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, je la démontre. Face à l'incivilité grandissante des hommes, le monde est devenu un milieu hostile pour les femmes, défavorisant alors la reproduction humaine. La BBT est une organisation secrète ayant pour objectif la protection des femmes. Bienvenue au sein de la BBT. Et c'est là que nous, la BBT, nous intervenons. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec moi? Parce que vous savez, moi, avec les filles, ça, c'était pas très... Justement, mon ami, nous sommes là pour changer ça. Ouais, ouais. Bon. Et c'est pour ça que je te confie à Jeffrey, ici présent. Jeffrey, je te le confie, ok? C'est entre tes mains. Tu vas le former, tu vas faire un nouveau BBT. C'est quoi BBT, machin? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis... Beau Black Ténébreux. Voilà qui nous sommes. Beau Black Ténébreux, oui. Bien sûr. Jusqu'à la dernière nouvelle, t'es toujours black. Ouais. Donc c'est pour ça que tu es chez nous. Ok. Bon. Jeffrey, je compte sur toi. Sur un futur BBT. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Bon. Bon courage, bien. BBT. Je sais pas pourquoi je suis là, de toute façon. Ah, en fait, ça sent pas très bon, hein. Je te conseille de changer de pantalon, d'accord? Ouais, ben vous kidnappez des gens si... Ah, vous êtes bizarre, de toute façon, BBT, machin. Hein. Il y a vraiment du travail à faire. En fait, t'as toujours pas répondu à ma question. C'est quoi le rapport avec moi, là, NF, tout ça, là? T'es un grave cas de NF, c'est-à-dire négro fragile. Ah, ça, négro fragile, vous parlez là, ouais. Ouais. Et donc, pour des raisons encore inconnues, les NF sont potentiellement les meilleurs BBT après une bonne formation. Ah. C'est pour ça que t'as été choisi. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et donc, faut savoir qu'un bon BBT, bah, va toujours être, je dis bien, toujours être en alerte sur son environnement. De quoi tu parles? Regarde, il est 17h. C'est souvent la sortie des bureaux, il y a des gens qui passent souvent ici. Il va savoir pourquoi, ce chemin, il est pas très pratique. Ok, mais c'est quoi le rapport avec la BBT, gente féminine, tout ça là? Regarde cette demoiselle à nous. Non! Ah ouais, un beau gosse! Vous allez bien, mademoiselle? Oui. Parfait. Je crois que ça vous sent. Oh, merci beaucoup. Ah ouais. Bonne journée. Bonne journée. Sur le fait qu'on soit mis sur le terrain. Mais après, il y a des conseils personnalisés pour les gens qui ont pas forcément une approche. Bah, regarde, tu vois. Bonjour à tous, bonjour. Et bienvenue au cours de relations intergenres. Vous êtes tout seul? Bon, je pars. Déviation, peut-être? Bon, je te préviens, je vais dire certaines choses qui choquent, donc si t'as un problème, tu me reprends. Donc s'il te plaît, commence à sortir un crayon et un carnet. Je commence. Dans toute situation, que ce soit au sport, à la sortie des cours, au travail ou encore dans les transports en commun, un ensemble de réactions et d'études récentes ont démontré que les femmes ne supportaient vraiment pas les tentatives de reconnaissance. Tels que les sifflements, les interpellations et surtout les Wesh mademoiselle. Quoi, t'es choqué? Bah, je t'avais prévenu que ça allait être comme ça. Voilà, c'est mon collègue Sam. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Oh, bonjour. Bonjour. Allez-vous? Ouais, bienvenue. Okay. Et alors, comment ça s'est passé hier? L'émission d'hier soir? Ouais. Franchement, c'était chaud. Sérieux? Attendez. Quelle mission?
putain, j'aurais pu conduire, merde. Mais non, t'inquiète pas, ça va pas déranger de conduire. Ouais. Allez, viens là, qu'est-ce que t'attends? Voilà, et franchement, j'ai vraiment eu du mal à avoir ses clés pour la ramener chez elle, et franchement, c'est pour ça que c'était galère. Oh! Mais avec tout ça, là, à force de pécho, tout ça, t'as pas le temps de te reposer, tout ça? Je t'arrête tout de suite. Un BBT ne conclut jamais. Non, mais... Vas-y, je sais que vous attendez que ça, vous les mecs. Lâche-moi, vous êtes tous pareils, lâche-moi. Mais lâche-moi! Tous pareils. De toute façon les gars, moi, je vais devoir y aller parce que j'ai une autre mission. À la prochaine. Ouais, alors, t'en dis quoi? Ton avis m'intéresse. Ouais, ça m'a l'air pas mal, mais c'est quoi les conditions pour entrer chez vous là? Bah écoute, t'as pas tort, mais voiture de fonction. Ouais. T'as pas mal. Ouais. C'est la fixe. Et pour elle, bah, je serai plein de souvenirs, en Facebook, SMS. Un homme invisible qui les fera sourire. Attends. En fait, là, t'es en train de me dire que en étant avec vous, je serai un homme invisible encore plus que je suis aujourd'hui. C'est ça? Non, mais je peux te comprendre. C'est pourquoi un BBT peut pas conclure. Ouais, vas-y, dis-moi. La condition pour laquelle un BBT peut conclure, c'est qu'il doit accumuler un certain temps de mission, d'expérience. Bref, suffisamment pour vraiment comprendre ce que peut ressentir une femme, tu vois. Et là, il sera prêt à trouver celle qui lui est vraiment destinée. Et à partir de là, il pourra conclure. Mais plus en tant que BBT, parce que son aventure avec nous sera finie. Ce sera le début d'une nouvelle aventure pour lui. Une nouvelle aventure, mais en tant que quoi? Bah, en tant qu'homme. Un vrai. Et crois-moi qu'avec ça, bah, tu seras plus invisible. Du moins pour celle que tu seras prêt à aimer pour toute ta vie. Bon, ma journée avec toi est finie. Je vais te laisser réfléchir. Soit tu continues pas et on se dit au revoir. Soit tu nous rejoins et sache que là, tu seras le... C'est marrant. Ah, t'as compris, quoi. Et à bientôt. Ouais. Hé les mecs, j'ai une blague en fait. C'est l'histoire d'un chat qui s'appelle Po. Chapeau. Oui, chapeau. 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 Ouais. Mais sérieusement, ferme-la là. J'espère que tu sors pas ce genre de blague en mission. Bah si, pourquoi? Vas-y, viens, et tu m'étonnes après pourquoi tu... Arrête. Les gars, fermez-la, il arrive. Alors t'es prêt mon gars? Comment mon vieux? Alors? Ça se passe comment? On est des BBT hein?
Une blague ténébreux. On va faire notre truc. Une expression dit, derrière chaque grand homme se trouve une femme. C'est pour protéger ce pilier que nous sommes ici. Alors toi, si tu veux tout comme moi exercer cette mission, fais-nous signe. Je m'appelle Bienvenue et je suis un BBT. Depuis tout à l'heure. Écoute, toi le nouveau, venez tout de suite, ok? J'ai une nouvelle mission pour vous.